Alors, on nous parle beaucoup actuellement du film qui va sortir et qui a été déjà présenté en avant-première de Yannick, avec notamment de Quentin Durieux, avec notamment Raphaël Quénard. Et le comique, on peut dire, de ce film, c'est le côté féminin du personnage. N'a peut-être pas été souligné par les critiques que j'ai pu lire. C'est-à-dire le moi-je. Moi, je trouve, moi, je suis pas content, moi, ça me plaît pas ce que vous faites, etc. Ce qu'il intervient dans une pièce de théâtre qui se joue et il interrompt la pièce en quelque sorte. Mais sa rhétorique est complètement féminine. Et en plus, elle est complètement marquée par le ça auditif, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à faire scandale en interrompant la pièce et en disant « Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'avais payé pour autre chose. Moi, ceci, moi, cela. » Et donc, quelque part, au travers de ce personnage masculin joué par Raphaël Quénard, on a en vérité la critique d'un comportement féminin. Aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Alors, c'est assez paradoxal. Mais c'est également vrai pour les homosexuels qui voient toujours les choses de leur point de vue, de leur propre vécu, de leur propre ressenti.